Ma fille vient. Je vois quelqu'un, je vois des médicaments. Quelqu'un qui travaille dans des médicaments, comme des gars médicaux. C'est qui? La personne dont je parle est proche dans des sommes. En des sommes. C'est un cousin. Il a hochu. Tout à l'heure, tu prophétisais sur Madame Azo, Emma, et tu lui as demandé qui était délégué médical, qu'elle connaissait très bien la personne, et elle ne s'en souvenait pas. Tu lui as dit que la personne-là connaissait Anderson. Elle s'est souvenue de qui Anderson, mais elle ne voyait toujours pas le délégué médical. Elle allait appeler Anderson, et Anderson lui dit que le délégué médical, c'est leur cousin, et elle connaît très bien le cousin. Est-ce que toi et moi, on a déjà parlé une fois ensemble? Non. Ça s'appelle comment? Sikeli. Est-ce que tu connais même? Je vous connais même pas, on se marie. Tu n'as pas peur de venir ici. Dis à ton cousin là, quand il a commencé à travailler, il y a des gens qui n'ont pas été contents. Oui. Il y a eu des problèmes. Il n'a qu'à réparer ça vite. D'accord. Parce qu'une fois il est tombé malade, il a failli mourir. Tu es au courant? Et une deuxième fois, il a eu des problèmes comme colopathie. Oui. Hein? Quand il mange, souvent, il y a une personne qui sort. Parce qu'une personne a dit une parole pour dire que l'argent là, il ne va pas manger. Donc tu sais qu'au moins qu'il a colopathie. Oui. Il faut lui dire d'aller faire cadeau, aller donner cadeau à Jean. Tous les gens par qui il est passé, où il a grandi, partout, etc. Regarde et demander, voilà, comme si c'est aujourd'hui il travaille, qu'il a fait cadeau à Jean. Donc, Dieu merci, ça tombe bien parce que c'est bonne année. C'est janvier. D'accord. N'a qu'à faire ça, puis dimanche, il faut l'amener ici. Ok. Hein? Il faut lui dire, hein? Il n'y a pas de problème. Il y a la mort dedans, hein? Il a compris. Quand il a quitté, il y a la vie. En plus, il a eu une voiture, puis roule, va rater sa vie. Ah, c'est pas qu'il a eu une voiture. Si, il a une voiture. Ah. Il est juste dépassé. Je vois quelqu'un. Hmm? Je vois comme un truc où on fabrique des machines, puis je vois de la ticket. Je vendais la ticket au Bénin pour ma soeur. Au Bénin. Je vois ça. Tu ne veux pas avoir pour toi-même ton activité personnelle? Hein? Si j'ai vu ce que tu es en train de faire. Hey! Amen! Donne-moi l'huile. Ton histoire change aussi avec elle au nom de Jésus. Amen! Est-ce qu'elle te connaît? Non, papa. Donne-moi tes mains. Dieu te rend prospère. Au nom de Jésus. Frotte. Dis, c'est fait. Ton histoire aussi change au nom de Jésus. Il y a une dame qui est claire, un peu pour télé, petit détail. On te doit beaucoup d'argent. Viens, on te doit beaucoup d'argent. Oui, papa. Tu as fait des graves erreurs. Il y a des gens qui, toi, tu savais qu'il ne faut pas donner les marchandises que tu as données. Oui, papa. Ok, tu vois, tu as des problèmes même. Hein? J'aime beaucoup. Commissariat, on te menace même. Oui, papa. Hein? Oui. J'ai vu du l'ange de Dieu te restaurer. Amen. J'ai vu l'ange de Dieu te restaurer. Amen. Tu crois en Dieu? Je crois, papa. Tu crois en l'ange de cette commission? Lève les mains. Au sorti de ce soir même, il y a un homme. Il est passé par une femme pour prendre des choses avec toi. Beaucoup d'argent. Il va te donner la moitié. Et puis il va te faire un chèque.